Bonjour tout le monde, du coup, moi c'est Tangage Frédéric, je suis athlète en e-sport, en mission de service civique à la mairie d'Arras, et je suis porteur de flamme et étudiant aussi à temps plein. Un jour au travail, Jimmy Gassi, donc un collègue en fait, rentre dans notre bureau. Ensuite il me dit, ouais Fred, au fait, je t'ai pas dit au fait, je t'inscris pour porter la flamme au fait, tu vas la porter. Mais je me dis, non, elle est bonne sa blague, très bonne sa blague, et quelques jours après, je reçois le mail. Relais de la flamme, Paris 2024. Fred, vous êtes un éclaireur. J'ai rigolé. Et je les remercie. Gros bisous à toi, Jimmy. Bien sûr que je suis fier de porter la flamme. C'est une fierté au quotidien pour moi de dire que oui, je porte la flamme. Je porte un message d'amour, de paix. Le message que j'aimerais porter en plus de la flamme, ce serait celui de l'inclusion. Pour moi, en fait, l'inclusion dans la société, en fait, peut se faire de différentes manières, mais le sport reste un grand vecteur d'inclusion en fait, et aujourd'hui malheureusement il n'est pas assez exploité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de compétition handisport qui lie à la fois le public valide et le public handi. Du coup, pour ma part, je vous donne rendez-vous le 26 août à Arras pour porter la flamme paralympique et célébrer ce beau moment avec moi.